Desrapin! Son petit nom! Non, pas beau, me calisse. Je veux pas de maison, si je parle des artistes. Pas parce que pas parce tes cheveux longs, tu dégages des odeurs douteuses que t'es un artiste. OK? Richard, c'est ça, Richard Desjardins. Et lui, je l'haïs, ce calisse. Et lui, c'est un artiste écoloriste. Et tabarnak, pas beau pour là-dessus, ça, c'est un combo pour me faire chier. Ça, c'est comme si j'allais me faire une colonoscopie, puis quand le doc a fini, il me fait sentir ses doigts, quoi. Terrible. Richard Desjardins. Les artistes. Puis monsieur, m'a dit, t'as pas de parole des mines. Là, il rend pas de parole des forêts. C'est quoi, le message? Tu veux sauver ton crayon, Gaulis? Ben, moi, on va devenir porte-parole des effaces, tabarnak. Moi, le prochain qui me dit que Richard Desjardins, c'est un grand poète, j'y dévisse la tête, Gaulis. Hey, j'ai essayé ça chez lui à maison, moi, avec ma femme. Ah, oh, t'es tellement, tellement belle. T'es comme un paquebot géant dans la chambre à coucher. Et Gaulis. T'as pas vu le gros beluga en Bermuda aller dormir tout seul dans le cabanon jardin? Ouais. Les artistes. Est-ce? Puis là, les artistes, ça va être porte-parole de toutes sortes d'affaires, Calice. Commence par porter du linge que de l'allure, on verra si tu peux porter la parole après, Calice. Hostie. Ça a l'air de rien, elle me chache. Les artistes, ça vend deux, trois longs jeux, parce qu'il y a une couple de monde qui sont virés leur chaise devant eux autres, parce qu'ils pensent que là, la planète est à eux autres, tabarnak. Plus ça embarque dans mon taxi, plus ça veut pas payer, plus ça veut des reçus, puis ça donne pas de tip. Oh non, mais je peux te signer un autographe à la place. Hey, tabarnak, m'a passé dessus avec mon char, m'a signé ton plat. En plus, on a à peu près 52 artistes. Sais-tu combien il y a de galas d'artistes au Québec? 12 galas par année. Ils sont 52, il y a 12 galas. Sais-tu combien qui se donne de trophées d'artistes par année au Québec? Juste au Québec, les trophées d'artistes, mais moi, chef. Moi, chef. C'est à toi que je parle, Gaulis. 10. Qui a dit 10? Gaulis, je viens de dire qu'il y a 12 galas, c'est-tu? Tabarnak, qu'il n'y a pas deux gars-là qui nous en donnent pas aussi. Normalement, ça c'est un assis de bon flash. Ça c'est écœurant. Deux fois par année, ils ne savent pas quand. Il y a quelqu'un qui arrive au micro en avant qui fait « Hey, c'est toute la merde que vous avez faite cette année. Il n'y a pas de trophée. La merde de ton assis de rame au château décollé chez vous aussi. » Ça sera débile. Débile. Non. Ça rend des hommages à des galas d'artistes, à des affaires qui n'ont pas d'allure aussi. Là, Brou. Brou, ça a l'air, c'est notre classique, ce qu'on dit. Deux gossous qui se tiennent avec un roux aussi. Hey! Méchante pièce d'oncologie, tabarnak. Hein? C'est comme des comiques là, qui se font un gala d'artistes, eux autres, avec, parce qu'ils essayent de se faire croire que c'est des artistes, eux autres, aussi. Ah, ben, tabarnak. Hey, t'es même pas drôle, là, c'ti. Hey, moi, mon beau-frère, il est 5 fois drôle comme toi, c'ti. 5 fois drôle. Hey, lui, c'est un de ce malade. Lui, va t'en compter une, là. Lui, là, quand il se met en boxeur, il enlève ses dents et il se met des crayons dans le nez, là, quand il est drôle, là, c'ti. Doujou, on est la famille ensemble, il se met en boxeur, ça va, t'sais, là, on le voit pas faire. S'il est pareil, t'es en boxeur, plus dedans, les crayons dans le nez. Pour la courir après notre grand-mère, aussi, pis il fait semblant de fourrer notre grand-mère par en arrière. En fait, pis elle a 96. Fait qu'elle aime pas ça. Elle est paralysée d'un bord, fait que quand c'est mal, elle se met en vie en rond, aussi. Il était rendu embarqué dans sa machette, pis elle fourre en rond dans la machette. On entendait la petite ange qui faisait clic-clic-clic. Hey, c'est rire de même, là. Hey, ça a changé l'ambiance au salon, là. Oh! Elle a complètement oublié que son mari était mort. Ben, c'est ça que ça sert, l'humour. Lui, c'est un vrai. Pas comme les autres artistes d'hypocrites sales de calice qui changent de nom. Ça veut dire ça, toi, que les artistes ils ont le droit de changer de nom? Ben, c'est moi, je capotais quand j'ai appris dernièrement que Bobby Benzini...
Son vrai nom, c'est Robert Bazinan. On s'entend-tu que c'est pas la même affaire en tabarnak? Gino Chouinard, que son vrai nom, c'est Chico Bédard. Il y en a qui font pas juste changer de nom. Il y en a qui changent de face. Hey, t'as-tu vu Johnny Hallyday dernièrement? Tabarnak. Hey, ça a l'air qu'ils font même plus de lifting. Ça a l'air qu'il est rendu qu'une grosse toque de peau en arrière de la tête. Puis une fois par semaine, il tire craint ça. C'est-tu craint, 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 craint. Rattache la taille là, parce que bye mon Johnny, on se voit la semaine prochaine. Hey, lui, quand ils vont l'incinérer, ça coûtera pas cher, en dessous. Craque une allumette, colle ça là-dedans. Pouf, il reste plus rien, juste des petites bagues à terre, c'est gling, 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 gling. Des artistes qui soutiennent des causes pis tout, c'est-tu. Comme Michel Bambara, là, pis Steffi Choc, là, qui a fait une annonce à la TV pour dire qu'il était débile. Je le savais, Colis, ça va rien, si. Hey, il m'a dit une affaire, il y a des électrochocs qui se perdent. Alors, moi, je reviendrai à la bonne vieille méthode. Si tu couches-moi ça dans le bain, bon ton popsicle dans la gueule, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Si jusqu'à temps que les lumières flashent quand ben James. La bonne vieille méthode Alice Robbie. Si tu coaches, tu coaches, tu coaches, tu coaches, tu coaches, tu coaches, tu coaches. Ça veut faire toutes sortes de stuffers. Là, ça veut escalader le mont Kijiji Mandaro. Là, ils veulent que je lui donne de l'argent. Hey, déjà que tu me topes ses nerfs avec ton esti de guignolé de canne de bine de calice. Faut-tu que je paye tes running shoes en plus, calice? T'en veux-tu une bonne cause puis escalader quelque chose qui a de l'allure, moi? Asti, va-t'en escalader à la colline parlementaire puis demande-leur l'argent qu'ils nous ont volé depuis les derniers 40 ans. Asti, puis là, m'a te baqué, calice. Là, c'est plus roulable partout avec les calices de festivaleux, de jazzeux, de fumeux, de poêles, de calices. S'ils sont même rendus avec le festival des nuits d'Afrique. Hey, ça, c'est dangereux en tabarnak. Des noirs dehors la nuit, pas de dossard à rien, des malades, ce calice. Plus capable, les artistes, plus cause, c'est comme Roy Dupuis, là. Roy Dupuis, là, le jour où je le vois en entrevue, il dit, là, pour sauver les rivières, c'est très simple, il faut faire des petits gestes simples et quotidiens. Tabarnak, toi, tu t'es pas rasé depuis 91, tu fais un petit geste simple et quotidien, commence par ça, qu'on lisse. En même temps, il a raison, l'eau potable, c'est grave. Hey, j'ai lu dernièrement, là, ça a l'air que d'ici 40 ans, il ne ressort plus assez d'eau potable pour tout le monde. T'sais. Depuis que je sais ça, je fais des réserves. Ouais, moi, je bois à peu près 30-40 litres d'eau par jour. Ouais, monsieur. Si. Je pisse transparent. Puis quand je marche, ça fait des sons bizarres, là. Ça sonne comme deux trisomiques qui baissent d'un lido. Mais. C'est une image forte, hein? Tout le monde doit attendre le reste, d'après moi. Non, mais dis, quand tu penses à ça, l'eau potable, si. Qu'est-ce qu'on fait avec nous autres, l'eau potable? Qu'est-ce qu'on fait? On pisse avec ça. On la vend. Non, 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 non. Hey, au Québec, c'est le gros sens des affaires. On la vend pas. On la donne. Aux Américains, c'est les astuces de sale, les de sale, les Américains, les Européens, toute la gang. Ils viennent ici de pomper notre eau, ils la mettent dans une bouteille, puis ils doivent la vendre, deux piastres le litre. Hey, voici quelque chose qui t'appartient déjà, qui est transparent, incolore, inodore, puis qui goûte rien, que je te vends plus cher que le gaz, hey, c'est pas le coup de marketing du siècle, ce Gaulis. C'est comme si j'allais chez vous, je fourrais ta femme, j'en mettais enceinte, après ça, je te charge une pension, Gaulis. T'as dit, un jour, là, ils vont nous charger pour respirer, Gaulis. On va se promener toute la gang avec des tubes dans le nez. Du tube en même temps, c'est commencé. T'as-tu vu ça? Il y a des bars à oxygène. Qu'est-ce que tu fais, une dégustation d'air et fromage, quoi?